Ce vendredi après-midi, il zone sur les berges de Merdeck-Béreg, dans les odeurs rassurantes des décharges de la zona, picole tranquillement en regardant les montagnes de détritus que parcourent des gens à la recherche de quelque chose à revendre. Ici, on appelle ça partir en randonnée dans l'Aurel. Quand une bouteille est terminée, il la balance le plus loin possible. L'écoute éclatée. Une carabine à plomb est posée près d'eux au cas où leur viendrait l'envie de dégommer des rats ou un de ces oiseaux bizarres, non comestibles, au regard pervers et au bec dur comme de l'acier, qu'on s'obstine à désigner sous le nom de mouette. Merdeck-Béreg, Merdeck-Plage, est un quartier bizarre. Construit comme un demi-fantasme de Los Angeles, qui aurait piraté les classiques Khrushchevka. On se demande ce qui est passé par la tête des architectes, des groupes d'immeubles de 4 ou 5 étages d'aspect classique, dessinant des U, alternes, avec des lotissements de pavillons entourés de jardins pelés, lépreux, ambiance série télé américaine, plagiée avec un dixième du budget nécessaire. Chaque kilo d'habitation est séparé des autres par de vastes terrains vagues qui auraient dû un jour devenir des jardins publics, des centres commerciaux, des parkings, mais ne sont rien d'autre que des étendues de terre boueuses ou crevassées selon les saisons, jonchées de buissons semés d'ordures, qui sont comme les embruns rejetés par le tout proche océan de merde, surnom local de la zone 1. Venice Beach post-apocalyptique, cauchemar californien avec les décharges pour horizon. Construit dans les années 70 pour loger les ouvriers, Merdeck-Béreg est désormais le dernier bastion des pauvres avant la débine totale. 80 000 habitants, 50% de chômeurs, volets fermés non-stop pour se protéger des fumées toxiques. Façade rongée par le smog, jardin transformé en nécropole de la récup. Le surnom du quartier a été officialisé le jour où un petit malin l'a peint en vert fluo sur toute la largeur de la façade de l'ancienne mairie. La ville n'a jamais jugé bon de nettoyer, elle n'avait pas non plus trouvé utile de reconstruire l'édifice ni de le raser après ce qu'il en restait après le massacre de 1985, une longue histoire. Quant aux habitants, ils trouvent ça plutôt marrant, l'humour local. Ici, règne solidarité, esprit de caste. Ceux qui vivent là ne quittent guère leur territoire. Les autres évitent de les emmerder sans raison. Tout le monde s'en trouve très bien.
passe la soirée à cramer de l'essence sur les trois périphes, l'intérieur, le central, l'extérieur, à bord d'une voiture piquée par Crédit K. C'est elle qui conduit. D'énormes buzz tournent, transformant l'habitacle en aquarium aussi opaque qu'un haut fourneau. L'autoradio sans puissance, sans basse, balance une tête grésillante, pénible, comme une gueule de bois trop timide. Cinq mineurs, dont un sans papier, à bord d'une voiture volée, ivre, défoncée, pied au plancher, un dimanche soir. Dans n'importe quel autre endroit du globe, il ne tiendrait pas 10 minutes avant de finir en cellule. Mais pas ici, pas à cette heure-ci, sûrement pas cette année. Même si l'époque des troubles durs semble révolue, les émeutes, les tirs dans la rue ne sont pas si loin. Les snipers, c'était leur quotidien quand ils étaient mômes. Grâce au pognon des Américains, il y a quelques crapules qui ont rétabli une forme d'ordre, s'appropriant au passage le pays. Une tranquillité relative est revenue. Malgré tout, les flics ont autre chose à foutre que se lancer à la chasse aux jeunes branleurs. De temps en temps, ils en chopent un, lui cassent la tête. L'information circule, la paix revient pour un moment. C'est le mieux qu'ils peuvent faire. La voiture s'engage sur la voie rapide qui coupe en deux le camp de réfugiés du Porstovo. Labyrinthe de tentes, d'habitations de fortune. Chez l'on manquant sur l'échelle de la précarité entre le bidonville et le trottoir. Il s'étend du périphérique extérieur à la Saki. 3000 Tchétchènes s'y entassent sans échappatoire dans une crasse épouvantable, sans électricité, sans autre point d'eau que la rivière la plus polluée de cette partie du globe. Dans les années 70, ici c'était un quartier ouvrier. Les immeubles ont été rasés, mais le nom est resté Uporstovo, persévérance en russe. Uporstovo, quelle connerie. Le genre de nom qu'on donnait au quartier ouvrier du temps des grands-parents. Persévérance, effort, discipline, à chaque quartier sa vertu. Une idée du parti, évidemment. Persévérance. Quoi de mieux pour désigner une enclave fermée par l'autoroute d'un côté et de l'autre par une rivière plus proche du tout à l'égout que du torrent de montagne. Les quelques milliers de Tchétchènes échoués ici au cours de leur périple pour l'Europe savent qu'ils ne vont jamais en repartir. Persévérance, ça les fait marrer. Ça correspond bien au genre d'humour qu'un réfugié doit développer pour ne pas mourir. La petite bande y va régulièrement au camp enfiler de la bouffe, la troquer contre de la drogue, des trucs comme ça. C'est ce brod qui les a emmenés la première fois, les a présentés à tout le monde. Ce brod est arrivé de Tchétchénie 3 ans plus tôt. Ses parents sont morts pendant le voyage. Il a encore son oncle, 2 cousines, un vague cousin, tous vivent au camp. Dans son pays d'origine, il était bon élève. Son père tenait une épicerie, sa mère s'occupait du foyer. Son oncle travaillait comme ingénieur dans la téléphonie. Ses cousines étudiaient à la fac. Maintenant, son oncle est voleur. Ses cousines se prostituent. Les autres ont disparu. Et sa vie à lui se résume à se défoncer avec les potes, faire les poches des touristes sur la place Gabrilovitch, agresser sur du prospect 14, danser autant qu'il peut, rigoler. C'est ça où se pendre au premier arbre venu. Thank you.
On apprend des choses, même des choses utiles.
qui permettront plus tard d'avoir un métier, un salaire correct. De telles conspirations les font rire. De telles situations, tu parles. Un métier, un salaire. Si déjà ils sont encore en vie à 30 ans, ce sera un miracle. Apprendre quoi? À devenir esclave des oligarques? Merci bien. Nous vous prenez les armes à la main, on se rende dans le bras. Foutre le bordel autant qu'on peut. Cracher dans la soupe. Quelle soupe, connard? On a même pas d'assiette. Braquer des banques. Tirer dans le tas, pas de quartier. Boire jusqu'à ce que le foie explose. Se piquer jusqu'à ne plus rien sentir. Les activités périscolaires foisonnent. Se pendre. Se brûler la cervelle. Se jeter d'un pont. Les projets professionnels ne manquent pas. Rien à foutre. Ils sont vivants, c'est tout ce qui compte. Ils sont vivants. Samedi prochain, il y aura sans doute une teuf quelque part. Rien ne donne d'importance. Gopnik, deuxième génération. Le nos futurs ont un bel avenir. Défoncé au bord du précipice, frôle la mort,
sans même s'en rendre compte. Le contraire exact du courage. Le con en bas, en pleurant de frustration, ils ont l'âge de ses enfants. Lasca, pris de l'inspiration soudaine, se débraguette, pisse sur le vigile. Plus facile à dire qu'à faire. Suivi de la vessie, avec tout ce qu'ils ont pris, le sgeg au vent, l'urine, se disperse en gouttelettes qui n'atteignent pas leur cible. Pour descendre sans se faire choper, sur un jeu de cache-cache dans l'échafaudage, puis à travers la brume collante, noire, un vrai spot de film d'horreur. Quand la course poursuite s'engage, ils ont assez d'avance pour quitter le chantier sans encombre, cœur battant, en nage, saturé d'adrénaline, heureux. Ils se souviennent d'une fois où ça s'est moins bien passé. Les flics avaient attrapé ce brod et l'avaient trouvé plus intéressant de lui démonter la gueule plutôt que de le ramener au poste, se taper la paperasse. Il avait eu du mal à marcher pendant un moment. Il avait glissé rouge jusqu'à l'oreille. Plutôt une bonne nouvelle pour lui au final. S'il avait embarqué au poste, c'était direction un camp de rétention administrative en attendant l'avion pour la Tchétchénie. Au bout de 500 mètres, ils n'en peuvent plus. Des crampes aux jambes, aux bras, aux reins. Comment c'est possible, aux reins? Ils gerbent à l'unisson, sans cesser de rigoler. Comme les gamins qui sont bras dessous, le vrai photon. Sur le vide, sur le trottoir, sur leur godasse. De toutes les merdes, absorbées depuis la fin de l'après-midi, centrifugées par l'effort. Purge bienvenue. Ils sont pâles, les yeux éclatés. Cadavres ambulants, leur gueule plus la fosse sceptique et une joie sauvage les inonde. Leur lueur orange laisse place au gris bleu du matin naissant. Dans une heure, c'est l'école. Aucun des cinq n'a sommeil. Ni Kreditka, ni Général, ni Sbrod, ni Lasca. Encore moins Clara, qui se demande combien de temps on peut tenir sans dormir. Combien d'heures, de jours, de semaines, de mois ou d'années. Merci.